Les amis, bonjour à tous, bonjour ou plutôt bonsoir. Bon, je vous fais une petite vidéo très rapide parce que je viens de rentrer du boulot il n'y a pas longtemps, tu vois. Et je me suis dit, je vais quand même vous faire une petite vidéo parce que là j'avais les maniates qui sont dans le salon, comme tu peux le voir. Et j'avais aussi les paradigmes Studio 100 V2 qui sont de sortie. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, on va se faire une petite vidéo comparative avec les sons test que j'ai mis dans ma playlist. Et en fait là où je veux en venir, donc c'est tu vas voir, je vais te faire les switches comme d'habitude je fais. Et en fait les paradigmes par contre c'est des enceintes qui valaient parce que c'est une enceinte canadienne. Elle valait 2000 je crois 2 500 $ il me semble avec l'option en plus avec le plaquage sur le côté. Donc contre les maniates qui elles sont proposées à 1000 euros. Donc voilà, donc là en termes de tarifs forcément c'est pas du tout le même budget, mais donc tu vas voir aussi en termes de qualité justement de la caisse, la Paradigme fait 50 kilos, 50 kilos, et je peux te dire qu'il n'y a pas un seul pet de résonance qui vient chambouler qui vient apporter du brouillon en fait, voilà, du brouillon dans la musique. Donc là, avec l'LTAX, tu vois, l'LTAX, excuse-moi. Hop, 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 hop. Avec la Maniate, tu vas voir qu'en fait, il y a des sons. Alors certes, c'est flatteur, le son, il va être bien sur certains morceaux. Il y a de l'impact, tu as le 38 qui est là, voilà. Au niveau du grave, c'est vrai qu'il descend, c'est pas la même chose en fait, c'est pas la même chose. Sur l'LTAX, tu as un grave rond, mais au niveau de la propreté de la descente, bah, franchement, la Paradigme, même si elle a que 2 20 cm, et ben les 2 20 cm, ils ont une propreté de descente qui est vraiment qui est superbe, agréable. T'as pas de résonance néfaste ou quoi. Donc là, en fait, tu vas voir au niveau de l'écoute. J'espère que tu le percevras au micro. En tout cas, moi, là, ce que je veux te faire entendre, c'est la qualité de la caisse, la qualité de tous les composants de la Paradigme font qu'elle a vraiment une très bonne symbiose en tout, en fait, j'ai envie de te dire. Mais attention. Au côté, il va y avoir le côté surjoué, enfin surjoué, non, avec le 38 de la Maniate forcément. Mais en fait, ce que je veux juste que te faire écouter, c'est la qualité musicale. Voilà, la qualité musicale. La puissance, voilà, tu sais bien que la Maniate, voilà, elle envoie du steak, quoi, elle envoie du bois. Mais juste que tu écoutes la qualité musicale et que tu vois les nuances, les différences. Voilà, moi, la Paradigme, franchement, je l'adore, j'aime beaucoup ça. Ben, j'aime tout, en fait, chez cette enceinte-là. Autant que la Maniate, je l'aime aussi, hein. Je l'aime aussi la Maniate, vous savez les gars, je l'aime beaucoup cette enceinte parce que voilà, avec son prix très alléchant, très attractif, voilà, là tu vois, je me disais, bon, est-ce que la Maniate je la vends ou quoi, tu vois, je savais pas trop encore, mais bon, voilà, je te fais écouter les morceaux que j'ai passés. Donc là, je vais pas être avec le décibelmètre en train de voir quel son va être plus fort que l'autre ou quoi, je vais faire ça à l'oreille. Parce que là, j'ai pas le temps de calibrer ou quoi, tu vois, là vraiment, c'est juste voilà, pour te donner un aperçu de la qualité musicale, mon ami. Voilà. Je suis un peu chaud, mais normal. Je rentre du boulot, je suis encore excité de ma journée. Et voilà. Donc, je te fais cette petite vidéo. Et voilà, j'espère que ça va te plaire. Et que tu me diras si tu as entendu les différences. Tu verras. Parce que dans la Maniate, tu vas entendre un bruit de caisse qui va donner du brouillon, en fait, à la musique. Chose que tu n'auras pas avec la Paradigme. Donc, voilà. Vraiment, j'insiste sur ce fait-là. Que quand tu as une caisse qui est vraiment superbement bien faite, et ben tu n'as pas de résonance qui vienne interférer avec toute la musique en elle-même. C'est-à-dire que tout est là, tout est étagé en fait, et tu vas pas te dire ah mince là tu vois, c'est confus. Il n'y a pas de confusion en fait. Là tu vas voir, je te fais écouter ça de suite. Allez, c'est parti les gars. Hop, hop, hop. On est chaud, on est chaud. Allez, c'est parti. Hop, je te balance ce petit son. Déjà 4 minutes. Allez, go. Thank you.
Oh,
résonance. Est-ce que tu entends la résonance? Regarde, je vais te montrer la différence. Can I help it if I want to?
Attendez les gars, je vais essayer de vous trouver le morceau de métal vite fait, parce que j'ai plus que 2 minutes. Ça. Voilà les amis, voilà. Bon, bah écoutez, c'était un peu rapide, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas... Comme tu sais, j'ai à peine 17 minutes et quelques sur ma caméra. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu et que t'as pu voir les nuances vraiment entre les deux enceintes, surtout en termes de caisse, je te dis vraiment la caisse, et puis que chaque son ne déborde pas sur l'autre et que ça ne devienne pas brouillon. Enfin, j'espère que tu l'entendras tout ça à la caméra. Allez, ciao, passe une belle soirée et je te dis à très vite.